Alors, monsieur d'abord, le bon Dieu qui nous a livré ce bulletin qui n'était pas du tout évident. Bon, c'est vrai que c'était un match très difficile et on s'y attendait parce que l'équipe du Subac a les objectifs, les ambitions de jouer les playoffs. Bon, du coup, ils ont renversé leur effectif. Voilà, on s'attendait à un match difficile et ça l'était. Mais heureusement, on est sorti vainqueur, alhamdulillah. L'équipe du Subac est venue très agressive du début du match. Ils ont posé des problèmes en attaque comme en défense. Ils avaient la réussite, donc du coup ils mettaient tout leur panier, tout leur tir. Et en défense, ils défendaient bien. Bon, voilà, c'est normal parfois les matchs, bon, voilà, on les négocie quoi. Tu vois. Surtout ils sont venus avec beaucoup d'ambition. Donc voilà, ce qui a causé cette difficulté quoi. Mais heureusement, à la mi-temps, bon, on s'est parlé. Et au troisième quart-temps, on est revenu fort. Bon, voilà, finalement, on a gagné le match. Bon, voilà, dans des moments difficiles durant un match, bon, il faudrait parfois prendre des initiatives. Bon, voilà, mes coéquipiers m'ont aidé. Bon, voilà, j'ai eu des positions de tir, ils m'ont donné des balles en contre-attaque, je l'ai marqué. Bon, ce qui nous a un peu facilité quoi, pour les dépasser au score. Bon, voilà, c'est un travail collectif. Les autres défendaient, ils ne marquaient pas de panier, mais ils défendaient. Les autres donnaient des passes et moi je finissais. J'étais là pour faire la finition. Bon voilà, on joue match par match. On joue match par match. Bon, ce match-là, on l'a terminé, on l'a gagné. Alhamdulillah. Donc on se concentre sur notre match du week-end contre Tamba, je pense. Pour avoir le maximum de points durant les playoffs.